plusieurs serveurs. Je dis quoi? Enfin voilà quoi, je veux te payer. J'ai une demi-heure avant de payer. Et puis je veux lui payer, c'est 25 euros, 24 euros. Oui. Je lui donne 25 euros. Ok. Et alors? Et voilà. Et il doit me prendre 2 euros et il dit excuse-moi mais j'ai pas la monnaie. Ça, il n'arrive pas à la comprendre, hein? 2 euros, quoi. Une pièce de 2 euros. Il me fait, c'est pas grave, je me paierai la prochaine fois. Les verres de vin, ils étaient mini, quoi. Vraiment, c'était. Tu t'es servi pour la même personne qui travaille là-bas ou pas? Mais bon, enfin, le gars. Je sais pas comment il recrute, mais. Il est sympa, hein, mais il est con, quoi. Non, écoute, n'oublie pas qu'ils sont des gens, malheureusement, dans la restauration. Il faut obéir au patron, quoi. Et il y a des patrons qui te disent, écoute, même si c'est le client, il faut que tu lui donnes la même dose. La même dose. Ouais, ou comme ça. Mais c'est con, ça. C'est con. Ah, c'est vraiment con. C'est n'importe quoi. Comment tu veux fidéliser quelqu'un? Déjà, il a personne. Et avec un ton comme ça, ils ont la plus belle terrasse de la ville. Ils sont pas capables de l'ouvrir. Ils sont pas capables de mettre 4 chaises dehors. Et à 9 euros, je sais pas, au moins, on met des accousquis avec. N'oublie pas que le patron est là. C'est Alex, c'est vrai, ça aussi. Hein. Ça, c'est autre chose. Non, c'est un français. C'est un français? C'est un français con, alors. C'est un français con. C'est un gars, il avait un restaurant dans le sud de la France, il est quand même relativement coté. Mais le problème, c'est que. Il y a eu 2-3 touristes luxembourgeois qui sont passés, il s'est dit je vais ouvrir mon truc à Luxembourg. T'imagines l'investissement qu'il a dépensé là-bas. Tout ça pour avoir du petit personnel qui fait un peu n'importe quoi. Bon, il n'est pas là maintenant en permanence, quoi. C'est la gestion, mais. Je sais pas qui l'a confié la gestion, mais c'est une catastrophe. Quelle histoire, ça va pas marcher. Quelle histoire.